évidemment, bah, ça va être un vrai, vrai défi pour le Heat pour essayer de battre ces Lakers qui mènent donc pour l'instant 2-0. On rappelle que dans l'histoire de la NBA, personne n'a remonté un 3-0 en playoffs ou finale NBA. Jacques Monclar, voici la mission de Miami. Bon, là, 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 ne pas perdre aujourd'hui, mais alors surtout pas. Kevin Durant, pas mal. Kevin Durant, c'est pas mal, c'est vrai. Alex Caruso, il a une chance, non? Oui, Alex Caruso, c'est le capitaine, hein, entraîneur, fondateur. Est-ce qu'il va te fournir nos regards? Oh, Jimmy Butler! Au-dessus. Donc il force, il passe en dessous. On va se dire, allez, il faut être en mouvement souvent. Et là, il était à la position, donc il aurait fallu que la passe soit beaucoup plus précise. Une perte de balle pour LeBron, lui, quand même. Pas voilà qui va lui faire du bien, donc 4 minutes 20, pardon. Ça y est arrivé? Oui, oui. Danny Green, Kuzma, pas mal. Par des Lakers, là, sur ouais. 24 secondes. Et surtout à la fin, sur un contrat, on a un pack de Keith Morris, le monde qui met en place. Pour revenir à 4 points ou à 3 points. LeBron à 3 points, non, ce sera une feinte. Ce sera Kyle Kuzma à 3 points et donc il n'y aura que 3 points d'écart à la fin du premier quart-temps. Cette dernière action, enfin une action avec du rythme. Ça a failli. Et c'est accordé à Kyle Kuzma, les 2 points et la faute. Kareem Abdul-Jabbar, absolument. C'est vrai. Alors il y a peu de gens qui s'en rendaient compte en le croisant, quoi. Il fallait voir les tribunes. Tony Davis, Rajon Rondo. Quel lance-missile ce Rajon Rondo. Ah, ils se connaissent bien, ils avaient déjà joué ensemble à New Orleans. Exactement, chez les Lakers. Mais un joueur comme ça, il faut défendre la possibilité qu'il fasse une passe de 10, même plus loin, 15 mètres. Alors, a fortiori, à 9-10 mètres. Il donne le shoot. Et si ça tombe dedans, ouais, il perd. Au point. En tout cas, les rebonds offensifs pour l'instant chez les Lakers sont très discrets, très inexistants. Il est quand même très solide, Jimmy. Jimmy Butler qui relance le hit. Duncan Robinson. Il cherche Frank Vogel. Bien joué, pick and roll. Et très haut sur la planche, rebond offensif pour... Oh non ! Passe à l'arbitre. Oh non, après avoir eu enfin un rebond offensif signé André Iguodala. Finalement, Jay Crowder par le ballon. Ils les rendent. Quand ils en prennent, ils les rendent, les rebonds offensifs. LeBron qui va à la corne encore. C'est tellement puissant encore. Ouais. Dernière minute de la première mi-temps, 2 points d'avance Miami. Solomon Hill. Ça tombe dedans. L'intention, même s'il y a des maladresses parfois, est du côté du hit. Et ils les font, ils tiennent le ballon là. Ils sont juste sur des schémas, ils peuvent dégainer au large. Ça tombe et voilà. Ça tient le ballon en dribble. Il fallait aligner, protéger son cercle. Le gros Lini qui nous fait des appuis décalés. Heureusement pour eux que c'est pas tombé dedans, ça aurait fait 15 points d'avance. LeBron James sera trop court finalement. Anthony Davis qui avait pris le rebond mais qui ne peut pas terminer. C'est bien fait. C'est avec Dwight Howard puis Anthony Davis. Et Anthony Davis avec ses 4 fautes qui est toujours là. KCP, enfin le gros compétiteur de toute la ligue. Et Eric Spoelstra qui a un peu remis en place Rachel Nichols, hein, Xavier. Et Jacques, quand elle lui a dit qu'il avait de. Il apportait quelque chose dans le coaching. Et Eric Spoelstra a dit je suis pas sûr de ça. Il avait refait un run. Là, s'ils arrivaient à le faire dans le quatrième carton, Xavier. LeBron qui a vu qu'on l'attendait. Bien joué la passe. Oh, Caruso complètement ouvert. Et le rebond offensif. Récupéré par le plus petit en plus, Rajon Rondo. En envergure, ça doit être un des plus grands. Et bien les Lakers sont devant et temps mort, Eric Spoelstra. Bien joué. Il est Kelly Olynyk à 3 points. Et ils refont le coup. En échec. Voilà, ils ne prennent pas la première intention directe à 3 points. Sur la montée en dribble qui est longue quand même. Hein, là. Et regardez, il n'y a pas de rythme, ils vont s'en remettre à un exploit.
que ne voilà pas, que pas voilà l'exploit. Et chaque seconde qui passe, un avantage de hit pour l'instant, puisqu'ils sont devant. Et là, imaginons qu'ils arrivent à obtenir de lancer ou bah, mieux marquer. Oh, il est fort. Il est monstrueux, Jimmy Butler. Pour l'instant, ce match, hein, presque. C'est des chutes de match. Olini qui couvre Anthony Davis. Ça vient se montrer derrière. Pif. Qu'est-ce qu'il leur fait du bien ? Qu'est-ce qu'il leur fait du bien ? Net à 3 points, parce que Jimmy Butler, pour l'instant, n'a pas shooté une fois à 3 points. Pas une fois. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est facile, Jimmy B. Il est en train d'écrire son masterpiece. Ils ne sont que 6 à avoir fait déjà un triple-double à plus de 30 points. Là, il en tape 40. Regardez, tous les joueurs viennent autour de lui. On va regarder à ça. Hein. Jimmy B. Le Godfather qui est là, Pat Riley. Oui, c'est le 7e. 104-115. C'est un drôle de sport. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Ils les ont rendus fous. Ils leur ont pas donné une seule possibilité de jeu rapide. Ils leur ont rien donné. On pensait que les Lakers n'allaient pas se relâcher. Ils ne se sont pas relâchés, mais ils se sont fait cueillir.